Coucou! Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 décembre. Et donc, du coup, je vais vous présenter les restes, enfin, les jours de mon Daily December. Alors, je vous avais présenté le 1, le 2, le 3. Et donc, aujourd'hui, je vous présente le numéro 4. Alors, c'est une ATC qui me vient de Nathalie Dubois. Voilà, qui m'avait fait cette ATC. Donc, la numéro 4. Et donc, voilà. Elle m'avait envoyé avec sa participation des petits peel-off comme ça. Du coup, bah, je les ai mis avec sur un fond vert miroir. Là, une chute de papier. Des petites découpes que j'ai montées en 3D. Donc ça, c'était l'ATC numéro 4. Ensuite, l'ATC numéro 5. Donc le jour numéro 5. La voici. Donc celle-ci nous venait de Sabrina Sanchez qui m'avait envoyé celle-ci. Donc du coup, toujours un papier de fond de chez Action. Une petite étoile en découpe. Pour rappeler les petits flocons qu'il y a là, j'ai mis des poinsettias, pardon, parce qu'il y en avait une ici. J'ai rajouté un petit shaker là pour rappeler celui-ci et des demi-perles ici pour rappeler, hop, celle-ci. Voilà, et aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, donc je viens de finir, hop, celle-ci. Voilà, donc l'ATC numéro 6 qui nous vient de Véro Rêve. Donc comme il y avait des paillettes partout là, j'en ai rajouté un petit peu dessous. Et ici, des petits bonhommes de neige. Pour rappeler le sien qui est là, des petits flocons de neige. Donc voilà. Voilà l'ATC numéro 6. Donc du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous présenterai le reste les prochains jours. Hop. Et je voulais aussi vous montrer ma première embellishment box que j'ai réalisée. Avec un shaker avec enfin le shaker a été réalisé avec les scotch double face, les emballages de scotch double face. Donc là, j'ai regardé le tuto de Audrey Sandon qui en avait fait un. Du coup, bah voilà, j'en ai fait un aussi. Donc voilà, avec une poinsettia que j'ai réalisée pareil sur un tuto de Scrapan. Et des petits embellissements pareil là, qu'on avait trouvé chez Action. Et je vais vous présenter l'intérieur. Donc elle est comme ceci. Donc ici il y a une petite carte et à l'intérieur voilà ce que j'y ai mis. Donc des petits embellissements en bois, enfin des petites épingles à linge avec des petites décorations dessus. Des embellissements en bois. Ici, des petites décos que je fais moi-même. Des petits embellissements que je fais moi-même. Dessous, il y a des petits cœurs or, etc. Là, il y a un nouveau, puisque quand on n'a pas de tête, eh ben, on le commande en double. Donc, comme je l'avais en double, j'ai mis dedans. Une petite rosace, enfin, des petites rosaces que j'ai faites aussi. Les poinsettias. Des petits embellissements en mousse, Père Noël. Le sapin, des petites feuilles, etc. Enfin voilà. Donc je vous la montre pas tout correctement puisqu'elle est à gagner. Donc elle est à gagner. Je la referme. Voilà. Donc je prends mes petits papiers du concours de l'ATC, des AT, enfin, hop, 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 du Daily December avec les ATC. Pardon, on va y arriver. Donc du coup, eh bien, je vais tirer une personne au sort à l'intérieur. Hop. Allez,
Alors, celle qui a gagné, c'est Audrey, la numéro 15. Donc, Audrey Marguerite. Alors, Audrey, tu as gagné l'embellishment box. J'arrive pas à le dire. Voilà, je pense que j'y arriverai jamais. Avec, donc, du coup, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ceci, tu me contactes par mail pour me confirmer ton adresse, pour que je puisse t'envoyer justement la box. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, Audrey, qui était la numéro 15. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça ici pour pas l'oublier et le noter. Et du coup, je garde toujours vos petits numéros. Ça pourra certainement resservir pour autre chose. Donc voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que sera mise en route la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!